Hachem, des 10 commandements, puisque la quintessence du don, la révélation qu'il y a eu au mont Sinaï, c'était les 10 commandements. Et on va se poser 2 ou 3 questions, on va faire un cours rapide, assez light aujourd'hui, mais 2 ou 3 questions très très importantes. 1, c'est pourquoi les 10 commandements? Toute la Torah, elle n'a pas d'inégalité de niveau. Les 10 commandements, c'est très important, mais de manger kasher, c'est aussi important. Au point où certains refusent, c'est qu'il y a une tradition ashkénaze de se lever quand on lit les 10 commandements, par respect des 10 commandements, mais les sfaradim disent non. La halakha pour les sfaradim, c'est que non, parce qu'ils disent, pourquoi tu te lèverais? Si tu commences à te lever pour les 10 commandements, et tu ne te lèves pas pour le reste de la Torah, c'est comme si tu insinuais qu'il y aurait quelque chose de plus Torah. Et les gens ont commencé à dire la Torah c'est 10 commandements, le reste c'est une invention. Donc, profondément, il ne faut pas faire de différence entre les 10 commandements et le reste de la Torah. Donc comment ça se fait que, justement, la Torah elle-même fait cette différence? Puisque quand elle se manifeste, quand Dieu dans la Torah à Moïse, il se présente en premier lieu sous la forme des 10 commandements qui contient toute la Torah. Donc qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les 10 commandements? Première question. Deuxième question, c'est que quand Dieu a donné la Torah, il a pris la montagne du mont Sinaï, comme le Gemara dans Daf Perhet 88 nous dit. Il a écrit, ils étaient sous la montagne. Et la Gemara a fait un jeu de mots, dit sous la montagne, ne lis pas sous la montagne, genre au pied de la montagne, tartit a, lit littéralement sous la montagne. C'est-à-dire qu'il a pris la montagne, Dieu, le mont Sinaï, il l'a mis sur la tête du peuple juif. Il a dit, O te kablo ta Torah, au sham ti ugurotechem. Où vous acceptez la Torah, où là sera votre tombeau. Drôle de façon de donner la Torah. Pourquoi la Torah épouse cette modalité où on te menace de mort pour accepter la Torah? Et la question est d'autant plus forte qu'ils avaient déjà dit, le peuple juif, assez véniche pas, nous ferons et nous comprendrons. Ils avaient déjà accepté la Torah. Donc pourquoi les forcer? Troisième question. Shavuot, c'est aussi la naissance et la mort d'un personnage biblique très important qui est qui? Quelqu'un sait qui est mort et né. Né et mort à Shavuot, David Ameler, donc l'ancêtre le roi d'Israël, ce qu'on appelle la Malchut, le Messie, le messianisme, né et meurt le jour où la Torah est donnée. Ce n'est pas non plus un hasard. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est lié, c'est-à-dire dans certaines communautés, notamment Ashkenaz, on lit la Megillah de Ruth avant la création de la Torah, c'est-à-dire que toute la Megillah, toute l'histoire de la généalogie de David Ameler, avec Boaz, Ruth, et les descendants qui ont donné David à la maison. Et quatrième question, c'est quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont une révélation comparable à celle du mont Sinaï. Puisqu'on dit que même une esclave canaanite, c'est-à-dire le plus bas niveau de l'assemblée d'Israël, a vu lors de la traversée de la mer Rouge ce que n'a pas vu Ezechiel ben Buzi, le prophète Ezechiel, qui dans le Maaseh Merkava a vu la plus haute vision qu'un homme puisse arriver à voir pratiquement. Or, cette plus haute vision prophétique qu'a vu Ezechiel ben Buzi, c'était inférieur à ce que tout le monde a vu en traversant la mer Rouge. C'est-à-dire que dans la traversée de la mer Rouge, il y a une révélation divine d'une intensité absolument égale à celle du mont Sinaï. Donc qu'est-ce qui différencie? Bon, voilà, c'est les 4 questions. On essaie d'être rapide, je vois que ça ne peut peut-être pas être aussi rapide que je pensais. Mais bon, c'est les 4 questions. Prenons la première. Alors, pour faire vite, on va essayer de... Les 10 commandements, c'est la structure même de la Torah. Parce que justement, elle est structurée, les 10 commandements sont structurés 5 à droite, 5 à gauche. Les 5 à droite sont le rapport de l'homme à Dieu. 5 à gauche sont le rapport de l'homme à l'homme. Et la Torah nous dit que c'est, en réalité, pas 10 commandements, d'ailleurs, 10 commandements, c'est une mauvaise traduction. Asarat Varim, Asarat Ivrot, c'est les 10 paroles, les paroles essentielles. Mais ces 10 paroles essentielles, c'est 5 paroles dédoublées. En réalité, ce n'est pas 10 paroles, c'est 5 qui font 10 parce qu'elles sont doubles. Pourquoi elles sont doubles? Parce qu'il y a la relation verticale avec Dieu qui se traduit automatiquement avec la façon horizontale. Ça veut dire que le sol, le secret, même pas le secret, la pierre angulaire, la première notion fondamentale de la Torah, c'est qu'il y a 3 rapports fondamentaux dans l'existence, ton rapport à Dieu, ton rapport à l'autre, ton rapport à toi-même. Il t'en manque un des 3, c'est une amputation de la dimension de l'homme. Donc quelqu'un qui va prier toute la journée, mais qui ne sera pas capable d'avoir une relation d'attention avec sa femme, quelqu'un qui est tellement religieux qu'il n'aide pas sa femme,
ou qui est tellement religieux qu'il ne fait pas attention à la souffrance des autres. Donc ces gens-là, ils ne sont pas religieux pour le temps, puisqu'il leur manque un tiers. Quelqu'un qui va aider tout le monde, grand cœur d'or, magnifique, qui va tout le temps aider, magnifique. Mais s'il ne prie pas, s'il n'a pas de rapport avec Dieu, il est aussi amputé. C'est un tiers d'humanité, de juif. Et celui qui va prier, qui va étudier la Torah, qui va aider les autres, mais qui n'a pas d'ambition personnelle, spirituelle pour lui-même, il n'a pas de kavod, il n'a pas de respect pour son ambition, il est aussi amputé. Donc les trois sont indispensables. Un projet spirituel pour toi-même, qui est la notion du kavod, la notion de l'honneur, la notion que j'ai pour moi une ambition spirituelle. Très important, à Shavuot notamment, d'arrêter d'être résigné et de dire, j'ai été créé à l'image de Dieu, j'ai donc une dimension extraordinaire, je dois devenir un tzaddik. Chacun à son niveau, chacun à sa façon, chacun avec sa poésie, son histoire, tout ce que vous voulez, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est avoir une ambition d'être un tzaddik, ou d'être une tzaddikette. Deuxième chose, rapport à l'autre, et rapport à Dieu. Ces trois choses vont en même temps. Très bien. Donc, on va les prendre un par un, pour essayer de comprendre. Prenons le premier, c'est quoi le premier commandement? On fait une petite révision, avant demain soir, Thierry, le premier commandement. Comment? Je suis Anochi Hashem Elokecha, Asherotzi Otra Yerem Yeret Mitzrayim. Je suis ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. Je suis ton Dieu qui t'est sorti. Derech Agav, il y a un très très beau smack. Il pose où est-ce qu'il y a une preuve de la Torah que le Messie va venir. Dans la Torah, dans le Chumash, je parle. Et il donne comme réponse Anochi Hashem. Je suis ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. En quoi est-ce que c'est une preuve que le Messie va venir, ce pasouk? C'est parce qu'il dit une chose extraordinaire. Quand j'ai lu ça, j'ai été très très bouleversé. Il dit parce que tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu qui par définition ne te libère pas. Une relation avec Dieu par libération, par définition, elle te libère. Or quand Dieu, à l'échelle de Dieu, qui est l'échelle de l'absolu, quand Dieu se révèle, par définition, cette révélation doit amener une libération universelle, à une rédemption universelle, à une libération de toutes les aliénations, qui est le temps messianique. C'est qu'il n'y a pas de révélation de Dieu sans libération. Quelqu'un qui a une relation avec Dieu, qui est religieux, ou pas religieux, ça ne change pas, mais qui croit qu'il a une relation avec Dieu, et qui l'a, mais qui n'est pas épanoui dans le sens où il n'est pas libre, il s'est angoissé, il ne sent pas libre, c'est qu'il y a un gamme, une tâche dans sa relation avec Dieu. Celui qui a une relation avec Dieu est par définition libre, parce qu'il sort de la matière, il sort de l'être, il n'est plus dominé par les choses d'ici bas, sa relation verticale avec le Dieu l'arrache de toute aliénation. Au point où ce Adori Hachem promet en puissance, à la fin, la libération universelle qu'est le Messie. Et le Smak prend ça au sérieux, au point où il dit, voilà, c'est écrit noir sur blanc, vous voyez pas que le Messie est écrit, je suis Dieu qui t'est sorti d'Égypte. C'est déjà en graine toute la libération future jusqu'au messianisme. Donc en face, le sixième commandement, c'est lequel? Sixième. Alors, je vais vous faire travailler, on va voir nos classiques. Anori Hachem, le sixième, lo tirtzach, tu ne tueras point. Quel rapport? On a dit que c'est le même. Je suis ton Dieu, tu ne tueras point, la même chose. Pourquoi c'est la même chose? On ne peut pas s'octroyer à Dieu, c'est un homme qui pourrait enlever la vie. Oui, mais en ce cas-là, ça pourrait être aussi tu ne voleras point. Qui dit Dieu, c'est une partie de l'homme, c'est une fait. Voilà, enfin, ouais. Très bien, vous avez la bonne direction, mais faire très attention à la question de partie. Beaucoup de gens ont cette expression, c'est pas une bonne expression. Dieu est indivisible, il est unique, et Dieu n'est pas divisible. Donc, mais effectivement, l'homme est créé à l'image de Dieu, ça s'appelle le tselem. Le tselem, c'est-à-dire à l'image de Dieu. Et ça veut dire qu'effectivement, en tuant, tu nies. Quand on dit tuer, c'est pas ce que tuer avec un couteau, c'est nier l'autre. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Il faut bien comprendre que l'interdiction de tuer, elle vient du fait qu'il y a dans le rapport avec l'autre une dimension. Toute personne a un côté manifeste et un côté secret. Un côté où il s'exprime et un côté qui est sa part de noblesse, sa part de profondeur, sa part de mystère. Cette part de mystère, cette part de profondeur, cet infini que chacun porte en soi, ce qui s'appelle le tselem lekim. Quand tu as une relation avec l'autre et tu le réduis à ce qu'il apparaît, tu le tues. C'est un meurtre. Parce que tu le réduis à ce que tu connais, c'est que tu le réduis à son aspect manifeste. Or, chaque personne a un aspect manifeste et une partie infinie qui renvoie à Dieu. Le respect, c'est ça la différence entre le rapport à l'autre et l'objet. Un objet, il est réduit à mon pouvoir. Je peux prendre une boîte de coca et la détruire.
Pourquoi ? Parce que c'est un objet. Il n'a pas de destin. Il n'a pas de lumière. Il n'a pas de profondeur mystique. Il n'est qu'un objet. Quand j'entretiens un rapport avec l'autre où je ne reconnais pas sa part d'infini, c'est que je ne reconnais pas Dieu. C'est qu'en réalité, j'instrumentalise tous les autres selon ma volonté, mon pouvoir. Et même si je crois en Dieu, c'est ce Dieu, je l'intègre dans mon, dans ma constellation symbolique intérieure pour en faire ce que je veux. Ce qu'Arav disait, mettre Dieu dans sa poche. C'est-à-dire que tu t'en accommodes. C'est pas ça. La relation avec Dieu doit te mettre en danger au sens où elle doit limiter absolument ton pouvoir. Être devant une chute vertigineuse. Être devant quelque chose qui est au-delà de tout mon droit, qui m'oblige infiniment. C'est pour ça que le pasouk dit une chose extraordinaire. Le pasouk dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »« Ve'afta le ra'echa kamocha. » Ra'echa, c'est quoi comme racine ? Ra. Ra, c'est quoi ? Mauvais. Comment c'est que ton prochain, que soit dit dans l'amour, il faut l'aimer, c'est le ra. Parce que c'est ce que disait Jean-Paul Sartre qui n'a lu que le début du pasouk. L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres, c'est-à-dire que l'autre, c'est un enfer. Pourquoi c'est un enfer ? Parce qu'il me limite dans mon pouvoir. Il me limite dans mon omnipuissance. Il m'oblige à me restreindre. Et justement, la Torah dit, aime ça, parce que c'est ta voie de salut. Si tu n'es que omnipuissant, tu n'es plus rien, parce que tu n'es que matérialiste. La rupture de l'autre qui au début est vécu comme un enfer, il m'empêche de faire ce que je veux. C'est la chance d'une ouverture à un rapport à quelque chose qui dépasse totalement un rapport de maîtrise. C'est pour ça que je suis ton Dieu. Et, ah, tu as amené le matériel pour... pour filmer. D'accord ? C'est clair le premier ? Donc il y a un rapport complètement parallèle. En d'autres termes, c'est vrai que c'est des gens, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais c'est un truc qui vont très loin. Le rapport avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, il doit être un rapport qui n'est jamais un rapport de maîtrise. C'est un rapport où c'est toujours immense, c'est toujours devant moi, je suis toujours un débutant avec Akadosh Baruch Hu. Et bien ça doit être pareil avec les autres. Avec les autres, il y a quelque chose que tu ne vas jamais dire, c'est celui-là je l'ai cerné, celui-là je l'ai compris. Tac, tac, il ne faut jamais dire ça. Parce qu'une personne a une partie éloquite, une partie divine en lui qui est infinie. Tu ne peux pas l'arriver, c'est la divinité, la lumière divine qui est dans l'homme. Très bien. Deuxième commandement. Très fort, je fais des vidéos. Mais après sur internet, oui. T'auras pas tout là, hein, mais c'est pas grave. Bon, deuxième commandement, c'est lequel ? Qui connaît le deuxième commandement ? On va vous faire travailler un peu aujourd'hui. Voilà, lo yelecha. Bravo, bravo, lo yelecha. Messieurs, il y a un point pour les femmes pour le moment et zéro pour les hommes. Lo yelecha Elohim acherim al panai. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant mon visage. Derrière Agab, là aussi. Pourquoi il écrit devant mon visage ? Pourquoi Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, devant mon visage ? C'est bon ? Pourquoi il dit devant mon visage ? Il y a un sporno qui dit la chose suivante, qui pose une question, qui dit la chose suivante, qui dit, vous savez que le Rambam Maïmonide, il amène l'origine de l'idolâtrie, puisqu'on parle de 13, c'est le deuxième commandement. Il dit comment l'idolâtrie est née au début ? Elle est née parce que des gens ont dit, quand il y a un grand roi, si un de ses ministres arrive, on se doit de l'honorer. Imaginez qu'un ministre de la reine d'Angleterre est grand, tout de suite, tout le monde, c'est normal, parce que Kavod Malchut doit se lever, on lui dit bonjour, c'est normal. Ils ont dit, on va aussi honorer le ministre de Dieu qui sont le soleil, la lune, les étoiles. Ils ont commencé à se prosterner. Et après, ils ont oublié Dieu et ils ont continué à honorer les astres. Mais d'après le Sforno, marche pas d'après le Rambam, que l'erreur, elle était depuis l'origine. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se prosterner devant le soleil en lui disant ô grand serviteur de Dieu, même si c'est avec l'intention de faire du cavane à Dieu. Pourquoi ? Vous comprenez la question ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas, pourrais pas m'incliner devant le soleil avec l'intention d'honorer son créateur en disant voilà un grand ministre de Dieu qui fait un travail extraordinaire d'illuminer la planète. Pourquoi pas ? Quelqu'un a une idée ? Alors cependant il y a une réponse, des réponses que quand vous la répondez, il n'y a plus la question. Ça c'est une des rares réponses, quand vous la répondez, la question elle ne commence même plus. Il donne comme ça, il donne un exemple, il dit, imaginez que vous rentrez dans un château,
où il y a le roi qui trône, majestueux, un vrai roi, pas un roi comme aujourd'hui, un roi qui peut couper la tête, qui a tout le pouvoir, qui peut faire ce qu'il veut. Ce roi-là, sur son trône, vous rentrez dans la grande salle du palais avec devant le trône et vous dites au roi, 2 minutes avant de vous saluer le roi, je vais d'abord me prosterner devant votre ministre. Qu'est-ce que le roi va faire? Il va se couper la tête. C'est une révolte. Quand il y a le roi, il n'y a, a personne d'autre que lui. Or, l'idée de Alpanaï, ça nous enseigne de façon extraordinairement lumineuse sur la racine même de l'idolâtrie. C'est que l'idolâtrie ne croit pas que Dieu est toujours là. Donc il a besoin de chercher des substituts. Alpanaï, dit le Passouk, tu n'auras pas d'autre Dieu devant mon visage. Le visage est toujours devant. Dieu est toujours devant toi. Donc tu ne peux pas honorer quelqu'un d'autre que lui. Et l'essence même de l'idolâtrie, c'est de croire que Dieu est loin, donc j'ai besoin d'un intermédiaire. C'est ça. La conscience juive, c'est de comprendre que Dieu est toujours devant toi. Toujours devant toi. Shifti kenekta tamid, je suis toujours assis devant toi. Dieu, je vois toujours Dieu devant moi. Alors, les grands hassidim, les grands tzadikim, ils ont toujours le nom de Dieu dans leur sido, et chaque fois, ils voient le nom de Dieu flotter mentalement. Au point que, il y avait le Brisk Roux, il avait tellement vécu fort ces choses-là pendant la guerre. Il était avec son frac, près, comme les Rosh Hashanah, ils ont des fracs comme ça, comme les gens qui sont Rosh Hashanah, je faisais. Ils ont des fracs, un avis. Et on lui dit, mais ça va pas, il ne peut plus que tu te balades comme ça. Les Allemands, ils vont t'attraper en premier. T'as l'air d'un juif, papillote, frac et tout. Et lui, en Pologne, où il y a eu 3 millions sur 300, pratiquement tout le monde était en Lituanie, ce qui est proche de la Pologne. Lui, il disait, non, je ne veux pas me changer. Je ne veux pas me déguiser en goy, je reste habillé. Bon, suicide. Chaque fois qu'il voyait des nazis, il disait « En od milvado ». Il n'y a rien d'autre que lui. Et il a traversé toute la guerre comme ça. Personne n'a pu l'attraper. Malheureusement, sa femme, tous ses enfants sont morts, assassinés par les nazis, Mar Shemam. Et il en a beaucoup souffert après. Mais lui, il a passé, parce qu'il en a souffert parce qu'il n'a pas pris de précaution. Alors pour lui, ça a marché. Mais pour sa famille, ça n'a pas marché. Donc il s'en est beaucoup voulu toute sa vie. Pourquoi il avait des crises d'angoisse, alors qu'on parle d'un immense rabbi. Hein, mais bon, c'est le salaire presque à payer pour la grandeur. C'est-à-dire, il n'a pas compris que cette grande. Il n'a pas compris, on peut le juger, mais il a considéré plus tard qu'il a peut-être fait une erreur de ne pas être un peu conciliant pour sa famille, au moins. Mais lui, au début, il avait sa chita en od milvado. Si tu crois vraiment que en od milvado, par définition, rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. Bon, c'est vrai que la Gemara elle-même, elle dit que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y avait un cas où il y avait une sorcière. Et on parle de vraies sorcières qui avaient des pouvoirs extraordinaires. Les sorcières avaient à cette époque des pouvoirs vraiment réels, hein, c'était pas de la rigolade. Et la Gemara nous raconte que les rabbanim étaient obligés, les grands rats de l'époque, étaient obligés d'apprendre la sorcellerie pour pouvoir combattre les sorciers. Il y avait Harry Potter n'a rien inventé, j'ai pas vu Harry Potter du tout, mais j'ai entendu plus loin. C'était des vrais combats entre les sorciers et les rabbanim. Mais des combats terribles, on raconte à la Gemara. Des combats, on pourrait faire des films facilement, bon, je ne vais pas donner des détails. Et lui, il avait refusé aussi d'apprendre. Il dit, pourquoi? Il dit, j'ai pas envie d'apprendre ça, j'ai pas le temps. Je vais tuer un Torah, j'ai pas le temps. Et une sorcière est venue l'attaquer. Il a dit, vas-y, fais ce que tu veux. Si Dieu veut, tu pourras. Si Dieu ne veut pas, tu ne pourras rien. Et elle a commencé blou-blou-blou. Rien, elle ne pouvait rien faire, j'ai jamais vu ça. Bon, mais la Gemara elle-même, elle dit là-bas dans la page, que ce n'est pas donné à tout le monde. La Gemara elle dit que ce n'est que celui qui a 100% la Emouna, 100%, pas 99%. C'est comme ça, il croit en l'œil. Comment en ouais, si tu prends l'œil, ça marche, je crois pas, ça marche pas. Mais c'est très, très intéressant cette notion de Emouna réel. Parce qu'on se fait beaucoup de bluffs dans la tête. Une fois, j'étais avec un rat qui rencontrait un bouddhiste. Et ils discutaient tous les deux. Moi, j'étais très jeune à l'époque. Et le rat, lui, le bouddhiste disait le zen, le monde n'existe pas. Il avait un gros canon. À l'époque, c'était des vrais, pas les photos, pas digitales, mais vieux qui coûtait à l'époque 30-40 000 francs. Et le rat, pour rigoler, il lui prend son canon. Il lui prend le barrage et il lui prend son canon. Et le bouddhiste, il dit, tu viens de dire que le monde n'existe pas. Pourquoi tu veux t'entrer? Pourquoi tu veux t'agripper avec ce canon n'existe pas. Donc, tu vois, il y a des gens qui font des théories, mais dans la réalité, c'est pas vécu. Parce que dès que tu lui prends son canon qui n'existe pas, il veut te le reprendre. Donc ça veut dire qu'il n'y croit pas vraiment à son histoire. Donc crois vraiment à... Si tu arrives à une émouna où tu sais que Endo n'est pas d'eau, tu arrives à une foi totale où il n'y a rien d'autre que lui, alors effectivement, tu es inatteignable. Mais faut pas. Mais la première chose de la spiritualité, avant toute forme de spiritualité, ce qui est absolument essentiel, c'est l'honnêteté. Si tu n'as pas une honnêteté intellectuelle et spirituelle, ta spiritualité elle peut être très, très, très dangereuse. Parce que
tu crois à un moment donné que t'es là, t'es pas du tout là, et là, alors t'es monté un peu trop, tu tombes, c'est très dur. Bon. En tous les cas, Anochi Hashem, deuxième commandement, Lo Yerecha Elohim Acherim, en face, septième commandement, bravo, un partout, pour les neuf, Notina, tu ne feras pas d'adultère. Voilà, le rapport, c'est lequel? Oui, c'est la notion de fidélité. La notion de fidélité, elle est très... Vous comprenez, c'est des axes, tout ça. Le premier axe, c'est l'axe dans sa vie d'être capable d'être sensible à l'indicible. D'être sensible à des choses que tu ne maîtrises pas. Laisser rentrer dans ta vie la dimension de l'infini. Sans cet axe-là, il n'y a pas... Il n'y a pas de vie réelle juive. Deuxième axe, c'est l'axe de la fidélité. C'est à quoi la fidélité? C'est très simple, la fidélité. La fidélité, ça veut dire de comprendre fondamentalement que ça ne pouvait pas être autrement. L'otinab, c'est le rapport du couple. Les gens, ils ont l'impression, ils croient qu'ils choisissent leur femme ou leur époux et que ça aurait pu être autrement et que j'aurais pu trouver mieux ou moins bien. C'est jamais comme ça. Le rapport entre l'homme et la femme, c'est un rapport essentiel. C'est pour ça que vous remarquerez que tous les patriarches, ils vont passer leur femme pour leur sœur. Or, en hébreu, sœur, ach, ça vient de quel mot? Léachot. Léachot, ça veut dire tisser. C'est-à-dire qu'on est du même tissu. Pour ça, ils voulaient arriver à un niveau de communion avec leur femme, Abraham, Isaac, Jacob, où c'était comme une sœur. C'est quoi comme une sœur? Une sœur, tu ne la choisis pas, une sœur ne peut pas être quelqu'une. Une sœur, c'est le même sang. Et tout le travail du groupe, c'est d'arriver à cette conscience-là, qu'on est fait du même tissu. Que ce n'est pas hasard. Quand le Rambam, il dit, avant la Torah, quelqu'un rentrait une femme dans le chouk, il apprenait, et après, il n'en trouvait plus, là, il a jeté, comme il est un peu bon, comme certaines traditions. Tout le monde pose la question, pourquoi chouk? Parce qu'un chouk, tu achètes un truc, tu peux jeter une pomme, tu peux l'acheter, la rejeter. Il te dit, non, c'est, la Torah, elle a institué un rapport de fidélité où le rapport, il est essentiel, il ne dépend pas d'un... C'est en soi. C'est pas donnant-donnant, c'est pas contractuel. Tu me donnes ça, je te donne ça. C'est une notion de... On est le même en double. Et bien c'est pareil avec son rapport à Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est que de comprendre que la vie est impossible sans Dieu. C'est le centre, c'est une partie de ma vie. C'est pas remplaçable. Et quand on dit ça avec le couple, c'est aussi vrai pour tous les rapports humains. L'amitié, c'est pareil, une fidélité en amitié. Dans les rapports même contractuels, il faut une fidélité, même dans le business. La droiture, c'est quelque chose de fondamental. Fondamental. C'est pas juste c'est moral, c'est bien. C'est un des cinq axes pour être un juif. Il te manque ça, t'as rien. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tenir sa parole aussi. L'Agma, elle dit que celui qui ne tient pas sa parole, c'est quelque part pire que la Shonara. Alors que la Shonara, c'est terrible. Parce que tu trahis l'engagement. Tu trahis la confiance que quelqu'un t'a mis. Il n'y a pas près de pire au monde que trahir une confiance. En tous les cas, c'est un des cinq axes. La même façon que tu dois comprendre que Dieu, le rapport que nous on a avec HaKadosh Baruch Hu, c'est pas j'existe d'abord, c'est vrai que c'est dur. J'existe. Et je rajoute dans ma vie une petite religion, pourquoi pas ça m'aide à bien vivre. Mais avant tout, ce qui est important, c'est le monde, et pourquoi pas, je rajoute. Ça, c'est pas. On ne peut pas être fidèle dans ça. Parce que dès que ça va être insupportable, on va passer à autre chose. Mais si le centre de gravité de mon existence, c'est que je ne peux pas envisager ma vie sans Dieu. Ça devient essentiel, donc c'est intrahissable. Ben c'est pareil, il faut se dire la même chose avec ses enfants, avec ses parents, avec sa conjointe, avec son conjoint. Jusqu'au moment où on dit c'est inenvisageable sans toi. C'est ça le vrai couple. Le vrai couple, la vraie fidélité, c'est ça. Troisième axe, quelqu'un connaît le troisième commandement? Comment? Non. Ça c'est le deuxième. Comment? Bravo, tu ne diras, pas le nom de Dieu en vain. Deux pour les femmes, pour les dames, un pour les hommes. Tu ne diras pas le nom de Dieu en vain. Le huitième, tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas. Alors, quel rapport? Tu ne diras pas le nom de Dieu en vain et tu ne voleras pas. Alors, celui qui me trouve ça, je lui donne deux points. Quel rapport? Voler, c'est pas kidnapper, mais ça intègre aussi le vol. C'est les deux. Le pshat, c'est l'homme, mais le drach, c'est aussi le vol. Quel rapport entre ne pas voler
et jurer à tort. En revanche, qui c'est que tu voles ? En tant que jure en nom de Dieu pour ne pas dire la vérité, c'est un vol. Non, même si tu ne jures pas pour voler, tu n'as pas le droit de dire. L'otisaïchmin est chave. C'est aussi si tu dis, la Gemara dit que si tu dis une colonne qui est devant toi, elle est en or, tu dis je jure qu'elle est en or. Tu as fait la même avéra. Tout le monde voit qu'elle est en or. Quand il fait jour, tu dis je jure qu'il fait jour, avec le nom de Dieu. C'est aussi assourd. C'est la même avéra, je veux dire. C'est de dire le nom de Dieu qu'elle n'a pas besoin de dire. Quel rapport entre ça et le vol? C'est qu'en vérité, c'est la notion, troisième axe, très important, c'est la notion de limite. Quand tu voles quelqu'un, c'est que tu n'as pas de limite. C'est que tu ne comprends pas que toi tu es là, lui il est là. Dieu lui a donné ça, toi Dieu t'a donné ça. Si tu prends, c'est que tu n'as plus de limite. Dans la parole, et on a beaucoup dans le monde moderne, on a beaucoup oublié que l'être existe, mais que la parole, le monde a été créé avec la parole. Et qu'il y a un continent, une planète qui s'appelle la planète parole, qui est plus fondamentale encore que la planète visible. Puisque la planète visible, elle est créée avec la planète parole. Et donc dans la planète parole, il y a des limites. Comme dans la planète, comme dans le monde, on ne rentre pas n'importe, on rentre pas dans une synagogue quand comme on rentre dans les toilettes. On ne rentre pas dans le temple de Jérusalem comme on rentre dans un restaurant, etc. etc. Il y a des limites, il y a des façons de se conduire ici, et pas comme ça, et pas comme ça. Celui qui dit le nom de Dieu en vain, c'est la notion de transgresser des limites, de ne pas connaître qu'il y a des limites en chaque chose. Et donc c'est une perte du kavod, du respect, aussi bien de soi-même que des choses. Donc le troisième axe, vous savez qu'il y avait un grand rave qui disait, avant tout, quelqu'un est modèle, il est jugé en haut s'il connaît sa place. Quelqu'un qui ne connaît pas sa place, parler trop au-dessus de ce que tu es, ou parler trop en dessous de ce que tu es, parler devant un grand rave, par exemple, c'est un grand problème. Un très grand rave, on écoute. Tu ne vas pas commencer à dire ton opinion devant Rav Eliashim, devant Rav, dans les graves. T'écoutes, t'es pas à ta place. Et c'est une sorte de vol, tu ne connais pas tes limites. La notion d'être centré, de savoir que ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Ça c'est à lui, ça c'est à moi. Et ça c'est lié aussi à la conscience du nom de Dieu. Où est-ce que je... Parce que sinon ça devient, tout devient bavardage, tout devient blablabla. Il n'y a plus de différence ontologique entre les choses. Et s'il n'y a plus de différence ontologique, le nom de Dieu, je peux le dire n'importe comment. C'est qu'en vérité, tout est pareil pour moi. Et donc je vois pas pourquoi. Et donc le vol, c'est pareil, tout ce qui est à moi est à toi. Je pense que tout ce qui est à toi est à moi, etc. etc. Ça, c'est le troisième axe, connaître la limite, respecter la limite. Quatrième axe, quatrième commandement, on va aller vite pour passer à d'autres questions. Shabbat, A, 3. Le neuvième en face, tu ne feras pas de faux témoignage. Là, c'est simple. Shabbat témoigne de la création du monde, et tu ne feras pas de faux témoignage. C'est-à-dire qu'il s'agit dans le monde, c'est un quatrième axe pour la vie d'un juif. Un juif, il doit témoigner. Il ne peut pas juste vivre. Un juif, il doit être le reflet de quelque chose d'autre que lui-même. C'est-à-dire qu'un juif, il doit faire quelque chose dans la vie qui le dépasse, qui témoigne. Vous savez qu'Am Israël est comparé à quoi ? À la lune. Or la lune, elle reflète quelle lumière ? Celle du soleil n'a pas de lumière à elle. Pour ça qu'Am Israël est comparé à la lune. Parce qu'Am Israël est le peuple qui renvoie l'image de quelque chose qui le dépasse complètement. Comme la lune renvoie l'image de quelque chose qui est caché la nuit, qui est le soleil, Am Israël renvoie l'image de Dieu sur la terre. C'est ça son but. On a été créé comme ça. Et donc c'est très important, quatrième acte, de faire des choses dans la vie. On ne peut pas faire des choses dans la vie. Il est né, il a mangé, il a procréé, il est mort. À quoi ça sert ? Vous n'allez pas vite. À quoi ça sert ? On est obligé de donner un sens à la vie, de témoignage, c'est-à-dire d'être le reflet de quelque chose d'éternel. De faire des choses qui te dépassent, qui dépassent ton intérêt, qui n'est pas pour toi. Qui est dans la notion d'être le reflet de la vérité. Quatrième axe absolument absolu, aussi bien avec Dieu qu'avec l'homme. Aussi bien avec le rapport avec Dieu qu'avec l'autre. Avec Dieu c'est par Shabbat, avec l'autre c'est le témoignage, de ne pas faire de faux témoignages. Ne pas avoir une vie qui témoigne du mensonge, qui témoigne de la vérité. Quatrième axe, très important. Cinquième axe, qui vous d'abord aime, bravo. Et le dixième, qui vous d'abord aime, tu respecteras tes parents, tu ne convoiteras pas. Quel rapport entre ne pas convoiter et respecter ses parents? Oh, bon, ça, on pourrait faire tout à coup rien sur ça. Parce que le rapport aux parents, il est comme le rapport à Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un... C'est, alors, ça paraît que quand on dit ça aujourd'hui dans le monde moderne, surtout à cause d'un bonhomme qui s'appelle Freud,
ça devient très difficile. Parce qu'aujourd'hui, on a appris à nos enfants, et à nous-mêmes d'ailleurs, qu'il fallait critiquer ses parents, qu'il fallait les bousculer, qu'il fallait se révolter contre eux, qu'on a donné aux parents. Mai 68 a beaucoup participé de cette image, de la culpabilité des parents, et de l'extraordinaire innocence et beauté de l'enfant. Tout ça, c'est du bien. Pour la Torah, le rapport que tu as avec les parents, il est infini. Tu leur dois une reconnaissance éternelle. Le père et la mère, il n'y a pas de... Même s'ils sont fautés, même s'ils ne sont pas parfaits, alors, tout le monde est parfait. Tu dois avoir un respect pour tes parents qui n'a pas de limite. Comme tu dois avoir l'amour de Dieu qui n'a pas de limite. La Gemara raconte qu'un rabbi Tarfon, sa mère était un peu spéciale, tu peux dire du mal, sinon il ne serait pas content de lui. Et lui, il donnait des cours comme ça en public devant 300 personnes. Là, sa mère venait, elle lui crachait au visage, elle lui déchirait ses vêtements. Elle était un peu folle, elle avait sûrement une maladie. Et lui, il disait, quand il entendait sa mère de loin, il disait, tiens, j'entends les pas de la Shrina. J'entends les pas de la présence divine. Il se mettait comme ça par terre pour l'aider à monter sur le lit. Elle montait sur son lit, clac, lui donnait un coup, il dit non, chérie. Elle mettait son. Il lui servait d'escabeau. Et quand on lui dit, Atkan, tout ça, il a dit, c'est rien ce que je lui dois par rapport à ce que je lui dois. C'est des notions qui aujourd'hui ne font pas tellement écho. À cause de ce lavage de crâne qui a été fait à partir de la psychanalyse de 1068 et tout, où on considère que les parents sont coupables, sont des infractions, il y a une limite qui est donnée par les sages. Quand le père ou la mère, enfin surtout le père, surtout, a transgressé, Dieu préserve, des choses où l'intégrité physique de l'enfant est menacée, là, il y a une rupture de... C'est le seul cas. Tout le reste, même s'ils ont fait des fautes psychologiques, ils n'ont pas été très malins, ils ont été un peu lourds, ils ont peut-être un peu traumatisé l'enfant, d'accord, il faut dédramatiser, tout ça, ça va. Faut pas être trop chouchou, mon père ne m'a pas compris, donc je suis traumatisé. Tout ça, on a permis à ces gens-là de se prendre la tête pendant des générations, on a payé des milliers d'euros, des psychanalystes qui se sont fait de l'argent sur le dos de cette bêtise. Il y a un moment donné, il faut dire stop, les parents c'est sacré, c'est pas grave. Il faut accepter. C'est pas les rabbinim qui ont dit ça, c'est Sophocle qui dit dans Antigone. Non, pas dans Antigone. Oui, dans. Bon, je ne sais plus dans quel livre. C'est qui se fait tuer pour que son frère, je veux pas que son frère soit enterré. C'est Antigone. Qui dit l'homme devient homme quand il est capable de regarder ses parents en face avec amour. Quel qu'il soit. Quelqu'un qui n'est pas capable de faire ça, c'est un pauvre type. Ses parents ont de l'exactitude telle qu'ils sont. C'est pour ça que c'est à droite. C'est comme Dieu. Dieu ne commence pas à calculer avec lui. Ouais, il n'a peut-être pas bien fait le monde. Pourquoi il m'a fait pas. J'aurais voulu mesurer 1m80. Comment ça se fait qu'il m'a fait 1m65? C'est pas sympa. Tu ne commences pas à faire ça. Celui qui fait ça, c'est un maboule. Eh bien, c'est pareil avec ses parents. On accepte ses parents. Il y a un bon sens métaphysique de dire ses parents les acceptent. Il n'y a pas à discuter. Commence pas à rentrer dans le ressentiment par rapport à tes parents. C'est très négatif. Bon, en tout cas, ce qui nous intéresse à nous, c'est le rapport entre le 5e commandement et le 10e commandement. Tu ne convoiteras pas. Et alors, enfin, nous ne voudras pas. Convoiter, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un, tu as envie de prendre la voiture de l'autre, tu veux lui voler sa femme, son âne, la gloire de sa femme, son âne, c'est-à-dire aujourd'hui l'âne, c'est plus l'âne, ça serait sa Rolls Royce. Tu convoites ce qu'il a. Ne convoite pas, dis-toi. Quel rapport avec ça, respecter ses parents. Accepter ce qu'on a. Et alors ? Comment il faut être à sa place ? Être à sa place. Ouais. Non, vous dites, vous tournez autour. C'est très simple. Quelqu'un ne convoite que s'il ne se sème pas. Il faut bien comprendre ça. La convoitise, elle ne vient pas du désir d'objet. Parce que ça, tu as le droit, quand tu vois une belle Rolls-Royce, de dire, tiens, j'aimerais bien la voir. C'est pas, tu ne convoiteras pas. Ne pas convoiter, c'est de dire, de vouloir prendre la place de l'autre. C'est en vérité, à un moment donné, tu dis, tiens, je n'aime pas ce qui je suis et je préfère être l'autre. C'est ça la grande trahison par rapport à soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois accepter, c'est-à-dire que le respecter ses parents, c'est aimer profondément qui on est. Et accepter qui on est. Dans ce cas-là, tu ne vas pas commencer à convoiter. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'ambition. Ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre, tu dis, tiens, j'aimerais aussi avoir la même. Pourquoi ça me... C'est joli, ça me correspond bien, aucun problème avec ça. Mais dès que tu veux prendre la place de l'autre, que tu ne te suffis plus à toi-même, et que tu essaies d'être quelqu'un d'autre que ce que tu es, tu trahis profondément ce que tu es. Et donc tu ne respectes plus. Tu n'acceptes quelqu'un qui accepte véritablement ses parents, qui les aime, qui les respecte. Il va se sentir assez bien dans ses baskets. Il n'a pas avoir besoin de convoiter quoi que ce soit. La vie est belle, chacun est comme il est, c'est très bien comme ça. Tu ne convoiteras que parce qu'en vérité, tu détestes quelque part ce que tu es. Et donc, quand tu détestes ce que tu es, c'est tout le temps, pas très souvent, tout le temps parce que tu détestes tes parents, parce que tu ne les as pas respectés, tu n'es pas capable de les respecter. Donc, tu désires à être autre chose par procuration.
Aujourd'hui, on est énormément dans une situation de la convoitise. Puisqu'on on passe son temps à vouloir dire tu peux être autre chose que toi-même, oublie-toi toi-même et projette-toi dans des rêves qui font que, qui font que tu n'es plus exactement toi-même. Donc ça, c'est les 10 commandements, la structure, c'est la base. Donc deuxième question qu'on a dit, on va passer par la quatrième avant. On a dit, cette révélation qu'il y avait au Mont Sinaï, elle était équivalente à celle de la sortie de la mer Rouge. Donc cette question, ce n'est pas moi qui la pose. Cette question a été posée il y a 2000 ans. On fait, ce soir, c'est la fin du Homer. On compte le dernier compte ce soir. Par Rabbi Shimon Bar Yochai, où il pose la question suivante en disant, cette question dans le Zohar, qu'est-ce qui a changé entre Sinaï et la sortie de la mer Rouge, et la traversée de la mer Rouge? Et le Zohar répond, ce qui a changé fondamentalement, c'est quoi? C'est Pascha Zahama. Drôle de réponse. Pascha Zahama, ça veut dire la mort s'est arrêtée. Zahama, c'est que vous savez, quand Chava, Ève, a fait la faute, il y a eu une sorte de rapport ou de liaison avec le serpent, et tout le poison, un poison mystique qui s'appelle Zahama, est rentré dans le corps de Chava, qu'elle a après communiqué aussi à Adam, pour dire où ça va. C'est ce qu'on appelle Zahama. Zahama, ce qui amène la mort, ce qui amène l'impureté, ce qui amène toutes ces choses-là. Zahama. Quand on a reçu la Torah, la Zahama, schlack, elle est finie, on est devenu immortel. C'est pour ça que quand on a reçu la Torah, on est devenu immortel. Simplement avec la faute du veau d'or, qui a été faite juste au même moment. On est redevenu mortel, mais la Zahama, elle est venue à un degré moins fort. Les Juifs ont moins de Zahama que les non-Juifs, on va dire. Beaucoup moins. Mais il y a quand même la mortalité qui est rentrée, qui est revenue. Donc, d'accord, c'est la réponse. Quand on est sorti, l'ouverture de la mer Rouge, la Zahama, elle ne s'est pas arrêtée. D'accord. Au Mont Sinaï, la Zahama, elle s'est arrêtée, donc on est devenu immortel. Très bien. Mais ça ne répond pas à la question. Puisque c'était le même degré de révélation. Donc pourquoi là, la Zahama, elle s'est arrêtée, et là, elle ne s'est pas arrêtée? Le Zohar, il dit pas, il n'explique pas pourquoi. Le Zohar, il dit, Kan Pascha Zahama, ici, Pascha, et là, pas Pascha Zahama. Mais ça, c'est une conséquence, c'est pas une explication. Nous, on demande qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans Har Sinaï, dans ce qui se passe passer demain, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le don de la Torah qu'il n'y avait pas dans l'ouverture de la mer Rouge. Ouais, Kéhra, mais aussi dans la même chose, c'est Kéhra. Il y a un pasouk, oui. Le choix, ils n'ont pas eu de choix. Mais là aussi, on a la montagne sur la tête. Dans les deux, on est obligé. Non, dans les deux, il n'y a pas de choix. Non, il y a un pasouk qui ne se trouve que, un pasouk extraordinaire, qui ne se trouve que dans le don de la Torah, qui s'appelle Veroïm et Takolot. Ils ont vu les voix. Ils ont vu les voix. Et le Midrash nous dit, c'est pas simplement qu'ils ont vu les voix, ils ont aussi écouté le visible. Ce qui fait Sinaï, la spécificité de Sinaï, c'est que la Torah a été donnée de telle façon que ce qui était visible est devenu audible, et ce qui était audible est devenu visible. Chamor Vezachor, c'est tout à fait bizarre. C'est comme si, regardez, vous avez un tableau, et de ce tableau, c'est une symphonie que vous écoutez. Bon, là, les Beatles, je ne sais pas si c'est une grande symphonie, c'est les Beatles ? Oui, c'est donc, donc, je ne sais pas si ça fait une grande symphonie, mais vous voyez un tableau, vous regardez, c'est plus le tableau que vous voyez, vous écoutez la musique inhérente au tableau. Au point, les kabbalistes disent profondément que Dieu parle en musique. Il parle en notes. Donc, voir, donc entendre le visible, c'est d'être capable d'écouter ce qui normalement se présente comme une lecture. Pas comme une comme un regard, pas comme une audition. Et voir l'audible, c'est imaginer, vous écoutez une symphonie, et tout d'un coup, vous voyez. C'est pas que vous écoutez Mozart, vous voyez ce que les notes sont. Bon, ça pour nous, c'est de la science-fiction, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Et ce serait ça qui serait la spécificité profonde du don de la Torah. C'est cet élément-là
qui différencie l'ouverture de la mer Rouge du don de la Torah, et c'est cet élément-là qui nous rend immortels, d'être capable de voir l'audible et d'écouter le visible. C'est ça qui nous rend immortels. C'est cette modalité de révélation qui est différente sur le Sinaï. C'est la même chose, dans les deux, la même révélation a été donnée, la même vérité est apparue à la sortie de la mer Rouge, à la traversée de la mer Rouge, que sur mon Sinaï. C'est la même chose que Dieu a dit. Il n'y a pas de différence. Au niveau du contenu, c'est la même chose. La seule différence, c'est que ça n'a pas été la même forme de révélation. Mais le contenu, c'était le même. Exactement le même. Alors, on va essayer de comprendre. L'Agma a dit comme ça. L'Agma, elle pose une question, comme à son habitude, qui a l'air comme ça rigolote, et qui est très profonde. Elle pose une question, elle dit, comment ça se fait qu'un aveugle ne donne pas naissance à un aveugle? Comment se fait-il qu'un sourd ne donne pas naissance à un sourd? Etc., etc. Et l'Agma, elle donne une réponse extraordinaire. Elle dit une réponse que les scientifiques ont trouvée il y a 30 ans. Moi, j'aime pas du tout les preuves scientifiques, mais là, c'est assez extraordinaire. Elle dit, mais balbel zera. Et Rashi, Tosfot, explique là-bas, mais balbel zera, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début de la vie, ce qu'on appelle aujourd'hui, que les scientifiques ont découvert, que nous, on savait depuis 3000 ans, qu'au début de la vie, dans l'embryologie moderne, les premières cellules, qui s'appellent les cellules souches, elles sont toutes les mêmes. Toutes les mêmes. C'est-à-dire que les premières, quand vous avez un petit embryon qui va commencer à apparaître, d'accord? Vous avez le mariage de l'élément masculin et féminin, l'ovule, élément masculin, rien, ça fait une vie. Cette vie-là, au début, ce n'est que des cellules. On appelle des cellules souches. Ces cellules souches, au début, elles vont se multiplier. C'est un mystère extraordinaire, d'ailleurs. Et elles vont donner un des os, d'autres des dents, d'autres des yeux, d'autres du cerveau, d'autres de la chair, d'autres des ongles. Incroyable! Mais au début, c'est les mêmes, hein? Il n'y a aucune différence à l'origine des cellules souches, il n'y a pas de différence, aucune. C'est un mystère incroyable. On ne comprend pas du tout aujourd'hui, je ne dis pas que c'est un miracle, tout est miracle, mais on ne comprend pas du tout aujourd'hui, la science ne comprend pas comment les mêmes cellules peuvent donner une si grande différence et que ça s'harmonise et que les éléments ne se rejettent pas l'un l'autre. C'est encore inexplicable, inexpliqué. Mais en tous les cas, nous ce qui nous intéresse, ce que dit Agmar, mais Balbel Zera. Que dit Rachid? Ça veut dire quoi? Qu'à l'origine de la vie, il n'y a pas encore les différences sectorielles de la vie, comme le regard, l'écoute, le toucher, le goût. À l'origine de la vie, tout ça est un. Tout ça est un. Et la Gemara nous dit quoi? Elle nous dit que quand on a reçu la Torah, on a reçu la Torah avec, on va traduire ça comme ça, avec l'œil de la vie. On a reçu la Torah avec une conscience des cellules souches. Voilà. C'est ça qu'a fait Marcinaï. C'est que, quand on a traversé la mer Rouge, on a vu, on était au spectacle, mais au grand spectacle incroyable. On a vu la mer Rouge qui s'ouvre, on a vu la révélation au ciel, on a vu les Égyptiens noyés derrière nous, c'était top, top gun, on n'a jamais vu ça. C'est un plus grand spectacle que ça, tu peux pas. On n'a jamais un tel spectacle extraordinaire. Et quand on dit spectacle, écoutez bien, ça reste extérieur à moi. C'est une vérité, j'en vois, mais c'est une vision. Ça reste extérieur à moi. Au mont Sinaï, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un nœud, un lien, un baiser divin entre l'âme Israël et Dieu, où la vérité n'est pas, et ça il faut bien comprendre, c'est très difficile à comprendre pour nous. C'est pas comme on a vu dans les films, Dieu arrive dans la montagne qui fume, Dieu qui parle. C'est que quand cette vérité a été une déchirure, du tissu du monde, de toutes les données immédiates de comment on voit les choses. La vérité est apparue tellement forte qu'elle a élevé toutes les perceptions, elle les a complètement transfigurées. C'est une expérience mystique. C'est pas, on reste le même, on est spectateur et on voit Dieu qui parle. Ça oui, ça s'est passé, traverser la mer Rouge. Ça oui, on est resté le même. Imaginez maintenant, on voit tout d'un coup Dieu qui, une voix céleste, on voit une extraordinaire apparition lumineuse, une blancheur éclatante, on voit ce que vous voulez. Mais moi je suis là et ça c'est là-bas. C'est merveilleux, c'est ce que les prophètes voient, les prophètes c'est ça qu'ils ont comme expérience. Mais au mont Sinaï c'est quelque chose qui s'est passé, qui ne s'est jamais passé, avant et après. C'est que ce n'est pas une révélation, c'est que tout le monde s'est métamorphosé. Et moi, nous avons été capables, chaque individu, d'inclure, d'intégrer la vérité à partir de l'essence même de ce que je suis. C'est pour ça qu'on dit qu'au mont Sinaï, chacun avait l'impression que Dieu lui parlait personnellement. Que Dieu s'adressait à moi. On était tous ensemble,
Mais chacun a l'impression, mais Dieu ne s'adresse qu'à moi. J'entends là le murmure de la vérité que j'ai toujours espéré. J'entends une parole qui est tellement intime, tellement fortement liée à ce que je suis, que c'était incroyable. Chacun avait l'impression que Dieu ne parlait qu'à lui. Mais tous ensemble. On était en même temps ensemble, tous dans une union, une communion de l'âme Israël extraordinaire, mais chacun avait l'impression que Dieu ne parlait qu'à lui. C'est-à-dire qu'on n'était pas noyé dans un discours général, même si c'est le discours de la vérité. C'était l'événement absolument sublime et indépassable de la vérité qui était accordé avec le plus profond, la plus profonde identité. C'est pour ça qu'on est devenu immortel, pas mystique. C'est parce que quand la voix de Dieu, elle est immortelle, la parole de Dieu, elle n'a pas de fin, c'est immortel. Et que cette voix de Dieu s'est greffée, on va dire. C'est greffée à ce qui en moi fait la vie, donc on est devenu immortel. Puisque ce qui est en moi vivant, c'est greffé à la parole de Dieu, et donc on devient immortel. Et c'est pour ça que Paskazama, ce qui ne s'est pas passé... Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le premier travail qu'on doit faire à Shavuot, c'est d'accepter la Torah, pas comme, encore une fois, une extériorité, comme des mitzvot, comme le jour. Bon, il faut comprendre que la Torah, elle a ce secret de réveiller en toi ce qu'il y a de plus extraordinaire. C'est pour ça qu'il y a 613 mitzvot, 248 commandements positifs qui correspondent aux 248 membres du corps, 365 négatifs qui correspondent à d'autres guidim, ça veut dire des nerfs dans le corps. Chaque mitzvah correspond à une partie du corps qu'elle va épanouir, qu'elle va sauver, qu'elle va rédimer, qu'elle va métaken. Il ne faut pas voir la Torah comme quelque chose d'extérieur. Mitzvah, quand on dit mitzvah, ça intègre celui qui ordonne, metzavé, metzouvé, la mitzvah. C'est une totalité, c'est un lien. Deuxième élément. Troisième question qu'on avait posée, c'était de dire pourquoi Dieu, quand il donne la Torah, il prend la montagne et la met sur la tête du peuple juif. Il dit, vous acceptez la Torah, vous mourrez. Alors qu'on avait déjà accepté la Torah. Pourquoi Dieu nous oblige de telle façon? Alors qu'on avait déjà dit, la Sevenishma. On avait dit, la Sevenishma. Il s'oblige lui aussi, en quelque sorte. Bon, ça c'est vrai qu'il y a un drache qui dit comme ça, qui est pas mal. On dit que quand Dieu préserve un homme, viole une femme, et que la femme veut, il est obligé d'épouser cette femme. Si la femme veut, hein, il ne peut plus jamais la divorcer. C'est une loi dans la Torah, ça. Si un homme viole une femme, comme compensation, on oblige l'homme, si elle veut, hein, la plupart des gens ne voudra pas qu'il veut un violeur, mais imaginons qu'elle veut, donc elle veuille se marier avec lui, et bien on oblige l'homme à se marier, il ne peut jamais la divorcer. Jamais. Le guet, ça revient. C'est qu'il est obligé à jamais de la garder, parce qu'il a violé. Donc certains font un drache, un joli drache, de dire, quand Dieu nous a obligés à prendre la Torah, kebichol, comme s'il avait violé un Israël, donc il ne peut jamais nous rejeter. Parce qu'il nous a obligés, donc il ne peut plus nous rejeter à jamais. Bon, c'est un drache. Mais quel est le sens de donner la Torah comme ça, de force? Pourquoi? En plus, ce n'est pas très civilisé, ça. Normalement, on demande aux gens, vous voulez pas. On va te forcer à prendre la vérité. Parce que si c'est une civilité qu'on avait décidé nous-mêmes, après on peut changer d'avis, en disant ça dépend de nous, on va maintenant changer d'avis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de civilités qui changent des morales. Oui, ouais, très bien. Ça, c'est sûr que c'est vrai ce que vous dites. Cette idée-là, qu'il fallait montrer comme c'est nécessaire. C'est tellement nécessaire que ça ne peut pas être objet d'un choix. Parce que le choix, c'est aléatoire. Aujourd'hui, je choisis comme ça, demain, je choisis autrement. Donc, il fallait montrer que c'était tellement nécessaire que ça ne pouvait pas être un choix. Très bien. Quelqu'un a une autre idée? C'est pas rentable. C'est comme un père qui dit à son fils, tu fais ça, t'as pas l'option, tu manges la soupe, tu vas dormir. Ça fait partie du processus. Oui, mais non, vous tournez autour de l'idée principale. C'est très bien. Ouais. Quelqu'un a une autre idée ou non? Bah, c'est ce que vous dites à peu près. Mais le Maharal explique comme ça, il dit, en une phrase comme ça lapidaire, il dit, on ne choisit pas le bien, on est choisi par le bien. Ça veut dire quoi? Il dit, prends par exemple un enfant qui meurt de faim. Je vous donne un exemple un peu bébête pour comprendre. Un enfant tout mignon avec des papillotes comme ça, très mignon, qui vraiment meurt de faim, les lèvres bleues tellement qu'il a faim, et qui vous tend la main, tu peux me donner un petit bout de pain, hein, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai le droit de réfléchir de lui donner ou pas à ce moment-là? Ou je dois lui donner? Que vous en pensez? Il faut réfléchir ou il faut lui donner? Hein? Il ne faut pas réfléchir. Voilà, un juif, il ne réfléchit pas à ce moment-là, il donne. Il réfléchira après. Un stoïcien, un grec, un dominique, il va dire, je ne veux pas me laisser déborder par mes émotions. Je veux d'abord réfléchir si c'est vrai, bien ou pas bien, et après je donne.
C'est ça que vient d'imiter un juif d'un goy. Un juif, il ne peut pas ne pas donner. Mais ce qu'on comprend pour un enfant doit être vrai pour toute la Torah. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire, d'un point de vue conceptuel, que la responsabilité de faire le bien est plus fondamentale que la liberté. Encore une fois, dans les sociétés modernes, on croit que la liberté, elle est première. C'est ça qui définit l'homme en premier. Très important, la liberté. La Torah, elle aime la liberté. Un chacham, il est libre. Mais pas au point de la mettre première. Première, c'est pas la liberté. Première, c'est la responsabilité. L'homme, il a été créé avant tout pour répondre. Pour répondre à l'obligation de faire le bien. Ça, tu ne choisis pas. Avant tout, tu as été créé. Le bien, c'est ridicule de choisir le bien. Est-ce que je vais maintenant choisir, j'ai le droit de tuer une grand-mère ou pas? Non. Le bien, il t'oblige. C'est obligé. Maintenant, tu as la liberté de détruire ta figure humaine ou pas. En tuant, en ne pas tuant, ça t'a un libre arbitre. Mais le libre arbitre, il n'est pas fondamental, il n'est pas premier, il est deuxième. Avant tout, tu es obligé. Maintenant, j'ai le droit de dire je me révolte contre cette obligation qui me constitue. Mais tu es obligé. Profondément, tu n'as pas le choix de faire le bien. Tu as le choix de trahir ou de ne pas trahir. Mais ce n'est pas un choix possible. Ça, c'est la première idée. Mais l'idée encore plus profonde, vertigineuse que donne le Maharal. Ça va très loin, ça. Il dit on ne pouvait pas choisir la Torah. Pourquoi? Parce que choisir, c'est un acte intellectuel, on est d'accord? C'est penser, choisir. C'est penser. Or, d'où vient la faculté de penser? De la Torah. Donc tu ne choisis pas. Si choisir, c'est penser. Tu peux pas. La pensée qui vient de la Torah ne peut pas choisir ce qui fait que ça existe. Tu ne choisis pas ta mère. C'est-à-dire quoi que... Là, c'est très profond, si cette idée. C'est-à-dire quoi que je pensais, la faculté de penser vient de la Torah. Ça veut dire quoi? D'abord, il y a des goyim qui pensent, ce n'est pas la Torah. C'est-à-dire quoi que la faculté de penser vient de la Torah? C'est que la plupart des gens, ils pensent, justement, ils pensent, que la spiritualité est un processus qui vient après la pensée. Qui a d'abord la faculté de réfléchir. La faculté de réfléchir, et que moi, au bout de ça, j'arrive à la spiritualité. Mais c'est le contraire. Pourquoi un homme pense, et une table ne pense pas, et un ordinateur ne pense pas, et un animal ne pense pas? C'est parce que l'animal est spirituel, et donc l'homme est spirituel, et donc il s'ouvre à quelque chose qu'est la pensée, comme le mot réfléchir dit. C'est comme si vous aviez la lumière de Dieu qui a frappé l'homme, et qui l'arrache à la somnolence de la matière, à la stagnance de la matière, qui lui fait comprendre qu'il y a autre chose que la matière, ce qui lui permet d'être double, réfléchir comme le reflet, et c'est ce reflet-là, cette capacité de réfléchir qui va lui permettre de générer des concepts. Mais la capacité de réfléchir, c'est toujours s'arracher de la matière. Or, tu ne peux t'arracher de la matière que si un élément extérieur t'a rendu possible cet arrachement. Ça, c'est l'acte fondamental de la spiritualité. Sans cette spiritualité, il n'y a pas de pensée possible. La pensée, et donc le choix, n'est possible que parce qu'il y a spiritualité. Et donc, la spiritualité ici nommée en tant que Torah. Donc c'est parce qu'il y a Torah qu'il y a pensée. Et c'est parce qu'il y a pensée qu'il y a choix. Donc tu ne peux pas choisir la Torah parce que tu es à l'origine de ta capacité de penser, vous comprenez? Une fois, j'étais dans un colloque, un gars me dit, monsieur Rabin, moi je suis athée. On peut rigoler, je lui dis, monsieur, vous venez de prouver l'existence de Dieu. Parce que si vous pensez que vous êtes athée, vous pensez. Or, il n'y a pas de pensée sans Dieu. Toute pensée provient de l'infini. Et un âne ne pense pas parce qu'il lui manque des neurones, parce qu'il n'y a pas de lien avec la spiritualité. Il n'y a pas de pensée, il faut bien comprendre. On n'a pas le temps de développer, on peut presque le prouver. Puisque penser est un arrachement de la matière. Vous connaissez Jean-Paul Sartre? Il avait une phrase qui a été un slogan que même les grands publicitaires l'ont vu, tellement que ça a marché. L'existence précède l'essence. L'existence précède l'essence, elle voulait dire quoi par là? Que pour penser, pour arriver aux essences, tu es obligé d'exister. Exister, c'est-à-dire s'arracher à la matière. Ça, c'est vrai. Tu ne peux pas produire des concepts si tu n'as pas avant tout une possibilité d'exister. Exister, étymologiquement en français, c'est-à-dire sortir, stance, sortir de l'être. C'est parce que tu sors de l'être que tu peux créer des concepts. Mais s'arrêter là. La question qu'il vous posait à Jean-Paul Sartre, c'est comment ça se fait que l'homme existe alors? Pourquoi l'homme existe et l'animal n'existe pas? Comment ça se fait que l'homme peut sortir de la matière et pas l'animal? C'est pas magique. C'est parce que l'homme a reçu la lumière divine en pleine tête
en pleine face, la révélation. Ça, ça l'a complètement, ça l'a rendu double. Il a été extensé à quelque chose qui n'est pas matière. Ça l'a permis de réfléchir, de s'arracher à la matière. Et donc, toute la pensée s'est ébranlée. Il n'y a pas de pensée sans spiritualité. C'est impossible. C'est pour ça que tu ne peux pas choisir la Torah. Tu ne peux pas choisir la Torah. Puisqu'elle est à l'origine de la possibilité de choisir. Comprenez ? Dernière question, on finira avec ça. On a dit pourquoi David Améler. David Améler est né et est mort à 70 ans, pile, heure pour heure, à Shabbat. Vous savez qu'il était né, il devait vivre combien ? C'était prévu combien de temps qu'il devait vivre ? 3 heures. 3 heures. Qui c'est qui lui a donné 70 ans à vivre ? Cadeau ? Adam Harishon. Adam Harishon a vécu combien d'années ? 930 ans, il devait vivre 1000 ans, il a donné 70 ans. De là, on apprend d'ailleurs, derrière Agave, que le Messie n'arrivera que si on est capable de donner une partie de notre vie pour. C'est pas en disant, oui, bon, ma chère, d'autres de la journée, en sautant les rues, qu'on va faire venir le Messie. C'est si on est prêt, à un moment donné, à sacrifier pour. À sacrifier pour. À sacrifier de quelque chose de vital. Là, le Messie a des chances de venir. Quel rapport entre le don de la Torah et le Messie ? Ou le roi d'Israël ? Tout le monde comprend que si c'est à tomber le même jour, c'est que c'est essentiel. Quel rapport ? L'un, c'est la Torah qui vient du ciel, l'autre, c'est Malchut, c'est comment organiser la cité. Ça, c'est le dernier élément très important pour comprendre Shavuot. Comment ? Oui, oui, aussi. Oui, donc là, tu signifies le lien. Mais la nature de ce lien, c'est quoi ? C'est très simple, très très simple. C'est que la Torah ne peut pas être une religion. La Torah n'est Torah que si elle a comme vocation et finalité d'illuminer le monde entier, la planète, le cosmos entier. La malchut, qui est la royauté, c'est l'organisation politique, sociale du monde. La Torah, aujourd'hui on est en galoute, c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre ça. Mais la Torah qu'on a, c'est pas la Torah qu'il devrait y avoir. La Torah, elle est repliée dans les Beit HaMidrash, dans les Kolelim, dans les Yeshivot, c'est très bien. C'est ça qui est la braise qui entretient le monde entier. Mais c'est pas normal. Normalement, la Torah devrait être la référence absolue de toute organisation humaine. Et quelqu'un qui voudrait réduire la Torah à cette galoute, c'est une catastrophe, c'est pas vrai. La Torah dit, depuis la destruction du Temple, là, Dieu se révèle dans les quatre coudées de la halakha. C'est vrai. Donc c'est un repli, mais c'est la galoute. C'est quatre coudées par rapport au cosmos. C'est comme si on avait une Torah réduite à 2 mètres carrés, alors qu'elle devrait faire, je ne sais pas comment fait le cosmos, qu'on fait la planète Terre, des millions de mètres carrés, des milliards de mètres carrés. Donc c'est une réduction terrible. Or, il nous faut garder cette espérance. Ça, vous savez qu'en vérité, nous, la Torah qu'on a dans les mains aujourd'hui, c'est la Torah qu'on a reçue quand ? À Yom Kippour, puisque la première table, elles ont été brisées par Moshe. La seule Torah qui nous reste, c'est la Torah qui vient de la Tchouva, qu'on a reçue le jour de Yom Kippour, qui sont les deuxièmes tables de la loi. Donc pourquoi est-ce qu'on fête encore au Shavuot, à la limite ? On ne devrait même pas fêter Shavuot, puisqu'on n'a plus cette Torah. Elle a été brisée. Mais la Gemara dit d'une façon extraordinaire que les débris, on les a gardés, et on les a mis dans la Aron HaKodesh. Et qu'on espère la réparation de ces débris. C'est-à-dire que la Torah, c'est ça. La Torah qu'on a les deuxièmes tables de la loi, qui sont infiniment moins fortes que les premières. Comme quatre coudées par rapport à des milliards de coudées. Mais que cette Torah qui est moins forte, mais qui est vraie, elle n'a de sens que si elle commence une grande aventure, un grand projet de réintégrer la Torah perdue. C'est-à-dire que Shavuot, c'est pas perdu, c'est espéré. Et celui qui va pouvoir faire ça, c'est le Mashiach, c'est le Messie, c'est David Améler. Celui qui va pouvoir redonner à la Torah une dimension d'absolu qui a été cassée, brisée à cause de la faute. Celui qui va réussir à donner à la Torah une dimension universelle, pas simplement repliée dans les Beit HaMidrash ou dans la vie religieuse, c'est le Mashiach. Et c'est un chélek essentiel, une partie essentielle de la Torah elle-même. Donc ce n'est qu'en espérant le Mashiach, en espérant la venue de la révélation divine ultime à la fin du temps qui va universaliser la Torah, que la Torah qu'on a aujourd'hui va prendre toute sa dimension d'espoir. Mais on ne peut pas la réduire, elle est comme ça, elle sera pas autrement. Parce que là, tu la réduis à un côté de Galout, alors qu'elle est en Galout, et qu'on espère la Géoula pour la Torah. Voilà plus ou moins ce qu'on voulait dire sur Shavuot. Est-ce qu'il y a des questions ?
C'était clair, j'espère. C'était clair, Thierry, t'as compris? Si toi t'as compris, tout le monde a compris. Non, je rigole. Est-ce que tu as des questions? Non. Pas de questions? Bien. Alors, bonne fête de Shavuot. On en a fait 1h04 pivot. C'était vraiment...